Le service de poste sera adapté lundi 14 août. Les bureaux de poste seront fermés, mais la distribution des lettres, des colis, des journaux et des magazines sera effectuée normalement. Le 15 août en revanche, poste sera fermé. Aucun colis, lettre ou journal ne sera distribué et les bureaux de poste et centres de tri seront fermés. Certaines banques fermeront leurs portes lundi, mais il est conseillé de vérifier les horaires d'ouverture sur le site de votre agence. Le 15 août, toutes les banques resteront rideaux fermés, comme pour tous les jours fériés. Plusieurs administrations resteront fermées les 14 et 15 août. Pour s'assurer de ne pas rester face à une porte close, mieux vaut vérifier sur le site internet de votre commune. Les services régionaux et fédéraux font, eux, le pont et rouvriront ce mercredi. Supermarché. La plupart des enseignes de supermarchés ne font pas le pont et garderont donc leurs portes ouvertes ce lundi. En revanche, le jour de l'Assomption, de nombreux supermarchés seront fermés et il faudra se diriger vers les boutiques habituellement ouvertes les dimanches et jours fériés pour faire ses emplettes. Les enseignes Aldi, Lidl, Cora, Makro, OK et Colruyt seront notamment fermées. Certains magasins Delhaize et Carrefour seront cependant ouverts, suivant les horaires d'un dimanche habituel. Certains magasins Spar seront ouverts, il est nécessaire de vérifier leurs horaires sur le site de l'enseigne. C'est également le cas de la plupart des magasins Match, qui ouvriront en matinée. Transport. La SNCB a signalé que son offre serait adaptée pour ce long week-end. Certains trains ne circuleront pas ce lundi 14 août et la plupart des guichets en gare seront ouverts selon l'horaire du dimanche. Le mardi 15 août, les trains circuleront comme un dimanche.